nous te dit que bataille noire n'est pas prêté seulement sur le plan médiatique, mais nous te dit que n'a poursuivre monsieur yo dans justice là. Sur ce, nous te décidé hier pour nous porter plainte contre Daryl Kony, contre conseil présidentiel là. Après que nous sommes sortis au niveau tribunal là, malheureusement, je dis pour une raison interne qui n'a pas de recevoir plainte là. Nous avons même dit que si l'un dit si je veux, je vais recevoir plainte là, nous avons un juge de paix pour constater que nous déposons plainte, que nous allons recevoir plainte là. Par la suite, il y a des amis qui t'ont accompagné moi. Nous te descendons au niveau de John Mars. Et les noms au niveau de John Mars, nous croyons que c'est plus précisément en face de la République du Chili, dans ma gloire voisin. Et puis une longue discussion ensemble avec mon frère moi. On a parlé de policiers qui bon à policiers qui pas bon. Par la suite, le téléphone m'a devine sonné. Je devine qu'il y a un appel conférence qui devient Busta John Junior, qui s'est tifré, sénateur Guy Philippe. Qui était bien et mort. Pendant que ma parole est avec discussion, on a fait discussion au téléphone, là, c'est le moment où M. Ovin parle. Quand moi j'étais en discussion, le responsable logistique a commencé à parler, me dit monsieur, nous pas qu'à chaque monde qui sorti Matissan, qui sorti Kafou, qui sorti Grécy, depuis la passé la 4-5e, monsieur. Si le badge nous a demandé le badge, c'est parce que le babanti pour nous tirer, monsieur. On a discussion, discussion, ça dit c'est gang, c'est. Et ça t'a demandé amnistie pour gang. Il dit monsieur, dans la police, il y a gang tout. Pendant que j'ai fait une discussion sur M4, je suis tombé. L'homme M4, je suis tombé. Monsieur, c'est garçon qui m'a dit, nous garantit de me lever pour me foncer sur monsieur. L'homme levé, l'autre policier qui t'a mis sur Baléem. Baléem là, et que plusieurs pour M4 boycotte. Et celui-ci, là, je fais la géographie là. Le médecin qui a soigné Mialan lui dit qu'il y a une suspicion de fracture. Je parle de fracture, c'est toute cassure ou fêlure de l'os. Mais étant donné que la radiographie, pour qu'on confirme le lundi, il a confirmé presque une fracture au niveau côté. Là, quand j'ai commencé à faire mon coup, amis qui sont ensemble avec moi, monsieur dit, monsieur, les gens tirent pile pour faire mon coup. Mon appui est venu, les gens tirent pour faire mon coup. Les amis ont filmé, mais ça a fait. Je prends le téléphone, je prends le téléphone dans le même jeu. Je prends le téléphone, je vais filmer, je dois filmer parce que même dans l'international, je dois filmer. Je vais mettre ma bagage dans le jeu, je bats le jeu. Pendant le téléphone dans le même jeu, le policier qui a bon compte, il est responsable de lui tirer dans le même jeu. Dans le même jeu, tirer balle. Bon! Pendant que je tire, je vais le téléphone dans le jeu. Et puis, le téléphone dans 5 autres cartouches qui fait 6 cartouches que le téléphone a recevoir parce que je dois filmer scène. Parce que monsieur a filmé celle-là, même côté premier cartouche entré dans le dos. Bam! Monsieur couille là avec le téléphone. Bon, saisis moi, monsieur, pas mal. Monsieur tellement saisi, monsieur couille quitte la machine. Monsieur, allez, c'est moi qui fais diligence, malgré que je prends un coup. Là, il a crasé le proviseur de machine, crasé de la machine, pas coup de balle. Mais malgré ça, je fais diligence, moi, je vis la machine. Mais bataille, ça, ouais, qui fait mal là. Ça montre que, je dis en bataille pour changer Haïti, bataille pour changement. Bataille contre oligarques, bataille contre Occident, c'est une bataille qui est facile. Et je me dis déjà, c'est une bataille qui est difficile, c'est une bataille qui est périlleuse, c'est une bataille qui est longue. Mais nous disons que nous ne pouvons pas plaquer la bataille. Au contraire, c'est l'huile qui est mise sous différentes révolutions. Et la révolution a continué, tôt ou tard, il faut que Haïti sorte en bas griffe Occident. Parce que nous autres, coopération que nous avons demandé, coopération gagnant-gagnant. Le fait que nous avons des ressources, nous ne pouvons pas exploiter. Mais, international, s'il veut exploiter, c'est pas nous créer chaos, c'est pas nous créer insécurité, c'est pas nous créer zone d'exclusion. Ou pas venir exploiter les ressources, nous. Mais c'est venir chita avec gouvernement sérieux, avec population, avec des universitaires pour nous dire, monsieur, qui ça nous voulait? Nous-mêmes, nous avons besoin de coopération gagnant-gagnant. Même si c'est une coopération 40-60, mais c'est une coopération qui permet nous gagner agriculture, nous gagner soins de santé, nous gagner route, nous gagner élevage, nous gagner bonne éducation, nous gagner augmentation de salaire, nous gagner création d'emplois. Mais seule façon pour nous goûter, pour nous résoudre l'insécurité en Haïti. Ce n'est pas nous chercher des Kenyans,
qui sont des mercenaires dans le pays pour dire qu'il y a une goumé pour nous. Mais il y a une goumé pour nous pour venir faire qui ça? Nous prenons plus que 10 missions. Qui ça 10 missions ça reporte pour nous? Que insécurité, chaos, grand goût, misère, maladie. Et nous regardons récemment là, nous n'avons pas l'air de côté et choléra pour nous. Mais celle ça reporte pour nous. Coopération, mais ça reporte pour nous. Et nous toujours disons, Haïti pas qu'à ratifier aucun accord, aucun traité qui doit placer au-dessus de la constitution. D'ailleurs, c'est une forme de djihadisme qui veut que la constitution tant que tableau mère soit placée au-dessus de tous les traités et de tous les accords. Et même si que Haïti a signé un accord, un traité avec un autre pays, il a supra légal, certes, mais il est infraconstitutionnel. Donc c'est à dire que il n'est pas qu'à placer au-dessus de la constitution. Mais pour qui ça n'est pas besoin de changer la constitution? Constitution n'a pas aucun problème. C'est nous-mêmes qui va appliquer la constitution. C'est nous-mêmes qui avons violé. Même après M. Michel. Mais pour qui ça que nous sommes prêts pour faire M. Michel tourner au matin. Ok, et dans le moment là, comment ça c'est l'état d'esprit par rapport avec ça passé? Bon, l'état de santé, nous ne pouvons pas dire au bon point. Mais pour l'état d'esprit, il est au bon point. Parce que nous-mêmes, ça c'est l'huile limitée sous du fait de révolution. Ça a renforcé la détermination. Notre bataille. Nous avons une belle coup. Nous te connaissons la victime, mais nous te disons que nous ne pouvons pas plaquer la bataille. Parce que la bataille pour changer le pays, c'est une bataille qui est facile. Ernesto Guevara a mouru, c'est dans la bataille pays. Fidel Castro, Tenant Mahon, c'est dans la bataille pays. Jodian Thomas Sankara, assassiné par Blaise Compaoré, c'est dans la bataille pays. Jodian, bataille pour changer Haïti. Nous avons une bataille qui est longue, qui est difficile, mais nous ne pouvons pas plaquer la prise. Nous avons été là jusqu'à la victoire finale. Nous te dit que la bataille noire n'est pas prêté seulement sur le plan médiatique, mais nous te dit que nous avons poursuivre monsieur yo dans la justice. Là. Sur ce, nous avons décidé hier pour nous avoir des plaintes contre Gary Conny, contre le conseil présidentiel. Là. Après que nous sommes sortis au niveau tribunal, là, malheureusement, je dis pour une raison interne qui n'a pas pu recevoir plainte. Nous avons même dit que si l'un dit si je veux, je vais recevoir plainte. Nous avons pris un juge de paix pour constater que nous déposons plainte, que nous allons recevoir plainte. Par la suite, il y a des amis qui ont accompagné moi. Nous avons descendu au niveau de John Mars. Et les noms au niveau de John Mars, nous croyons que c'est plus précisément. En face de la République du Chili, dans ma gloire voisin. Et puis, une longue discussion ensemble avec mon frère, moi. On a parlé de policiers qui bon, à policiers qui pas bon. Par la suite, le téléphone m'a devine sonné. M'a devine qu'il y a un appel conférence qui devine Busta John Junior, qui s'est tifré, sénateur Guy Philippe, qui devine et Marc. Pendant que m'a parlé ça avec discussion, m'a fait discussion dans le téléphone, là, c'est le moment, monsieur, où vient parler. Quand moi était dans discussion, le responsable logistique commence à parler, me dit monsieur, non pas qu'à chaque monde qui sorti Matissan, qui sorti Kafou, qui sorti Grécy, depuis la passé la 4-5e, monsieur. Si le badge nous demande le badge, c'est parce que le babandi pour nous tirer, monsieur. Quand il y a discussion, ça dit c'est gang, c'est. Et ça peut demander amnistie pour gang. Il dit monsieur, dans la police, il y a gang. Pendant que nous avons fait une sur M4, nous avons là, je me suis dit que tombé. C'est ce garçon qui m'a dit nous garantit de me lever pour me foncer sur monsieur. Je me lever, l'autre policier qui t'a mis sur le balai. Et que je me suis dit que M4 boycott. Et celui-ci, là, je me suis fait radiographie là. Et le médecin qui t'a soigné, il dit qu'il y a une suspicion de fracture. Je parle de fracture, c'est toute cassure ou fêlure de l'os. Mais étant donné que radiographie, pour qu'on confirme le lundi, si on a confirmé presque une fracture au niveau côté. Là, quand on a commencé à faire des amis qui sont ensemble avec moi, je dis, monsieur, les gens tirent pile pour faire mon coup. Mon coup, ils viennent, ils tirent pour faire mon coup. Les amis ont filmé, mais ça a fait. Ils ont pris le téléphone, ils ont pris le téléphone dans le même jeu. Ils ont filmé, monsieur, ils ont filmé, monsieur, ils ont filmé, parce que même dans l'international, ils doivent filmer. Ils ont mis ma bagage, monsieur, ils ont battu, monsieur. Pendant le téléphone dans le même jeu, le policier qui a bon contre son service, il tire dans le même jeu. Dans le même jeu, il tire. Bon! Pendant le monsieur tire, monsieur a le téléphone dans la tête. Et puis il met le téléphone dans 5 autres cartouches
qui fait 6 cartouches que le téléphone a recevoir parce que monsieur t'a filmé scène. Ben. Parce que monsieur t'a filmé scène, même côté premier cartouche entré dans le dos. Bam! Je couille là avec le téléphone. Bon, je saisis moi, monsieur, pas bon. Monsieur tellement saisi, monsieur couille quitte la machine. Monsieur, allez, c'est moi qui fais diligence, malgré que je prends un coup. Là, il a crasé le proviseur de machine, crasé devant la machine, pas coup de balle. Mais malgré ça, je fais diligence, je vis la machine. Mais bataille, ça, ouais, qui fait mal là. Ça montre que, je dis en bataille pour changer Haïti, bataille pour changement, bataille contre oligarque, bataille contre Occident, c'est pour une bataille qui est facile. Et je me dis déjà, je me dis que c'est une bataille qui est difficile, c'est une bataille qui est périlleuse, c'est une bataille qui est longue. Mais nous disons que nous ne pouvons pas plaquer la bataille. Au contraire, c'est l'huile qui est mise sous différentes révolutions. Et révolution a continué. Tôt ou tard, faut Haïti sorti en bas griffe Occident. Parce que nous autres, coopération que nous avons à son coopération gagnant-gagnant. Le fait que nous avons des ressources, nous ne pouvons pas exploiter. Mais, international, si nous l'exploiter, c'est pas nous créer chaos, c'est pas nous créer insécurité, c'est pas nous créer zone d'exclusion. Ou pas venir exploiter les ressources, nous. Mais c'est venir chita avec gouvernement sérieux, avec population, avec des universitaires pour nous dire, messieurs, qui ça nous voulait? Nous-mêmes, nous avons besoin de coopération gagnant-gagnant. Même si c'est une coopération 40-60, mais c'est une coopération qui permet nous gagner agriculture, nous gagner soins de santé, nous gagner route, nous gagner élevage, nous gagner bonjour éducation, nous gagner augmentation de salaire, nous gagner création d'emplois. Mais seule façon pour nous goûter, pour nous résoudre l'insécurité en Haïti. C'est pas nous chercher des Kenyans qui sont des mercenaires dans le pays pour dire qu'il n'y a pas de goûter pour nous. Mais il y a une goûter pour nous pour venir faire qui ça? Nous prenons plus que 10 missions. Qui ça 10 missions ça reporte pour nous? Que insécurité, chaos, grand goût, misère, maladie. Et nous avons regardé récemment là, nous avons parlé de et choléra pour nous. Mais seul ça reporte pour nous. Coopération, mais ça reporte pour nous. Et nous toujours dit, Haïti pas qu'à ratifier aucun accord, aucun traité qui soit qui doit placer au-dessus de la constitution. D'ailleurs, c'est une forme de djihadisme qui veut que la constitution tant que tableau mère soit placée au-dessus de tous les traités et de tous les accords. Et même si que Haïti a signé un accord, un traité avec un autre pays, il a supra légal certes, mais il est infraconstitutionnel. Donc c'est à dire que il n'est pas qu'à placer au-dessus de la constitution. Mais pour qui ça n'est pas besoin de changer la constitution? Constitution n'a pas aucun problème. C'est nous-mêmes qui n'avons pas appliqué la constitution. C'est nous-mêmes qui avons violé. Mais bataille, Michel. Mais pour qui ça n'est pas prêt pour faire Michel tout n'est pas un. Ok, et dans le moment là, comment ça c'est l'état d'esprit par rapport avec ça passé? Bon, l'état de santé, nous n'avons pas qu'à dire au bon point. Mais pour l'état d'esprit, il est au bon point. Parce que nous-mêmes, ça c'est l'huile limitée sous différentes révolutions. Ça a renforcé la détermination. Notre bataille, nous avons connu une belle coup. Nous te connaissons la victime, mais nous te disons que nous ne pouvons pas plaquer la bataille. Parce que la bataille pour changer le pays, c'est une bataille qui est facile. Ernesto Guevara a mouru, c'est dans la bataille pays. Fidel Castro, t'es dans Mahon, c'est dans la bataille pays. Jodian Thomas Sankara, assassiné par Blaise Compaoré, c'est dans la bataille pays. Jodian, bataille pour changer Haïti, nous prenons une bataille qui est longue, qui est difficile, mais nous ne pouvons pas plaquer la prise. Nous avons là jusqu'à la victoire finale. En matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Ecolacay. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Ecolacay vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme. Besoin de vous informer à temps? Il vous suffit juste un clic. Ecolacay, le rendez-vous incontournable de l'actualité. Écoutez et regardez les news sur Ecolacay, ça fait plus d'impact et ça fait plus d'écho. Ecolacay, nous sommes toujours au cœur des événements.